attention. Une fois que vous serez passé entre les mains de Baldassare et le Tiger, vous ferez pourrir d'envie tous les citoyens de la cité. Vous n'avez pas de quoi vous offrir mes articles. Des clients se sont dé... N'oubliez pas de parler de moi à votre entourage. Il devrait aller se soulager au lieu de faire ça. C'est déjà mieux, mais vous savez ce qu'il dit. Mieux vous préserver. Nous avons perdu tout espoir. Fiche le camp. J'ai besoin de manger, vous comprenez. Hé, hey, qu'est-ce que ça veut dire?
est une sale canaille. Assassin! Encore! Salut tous avec vous. Mes amis, venez admirer. Une autre fois, peut-être? Gare! Mais qui s'en prend à nous? Toi, tu n'iras nulle part! Si vous avez besoin d'aide, appelez vos mères au secours! Vous pourrez vous placer dans leur jupon! Tu ferais mieux de disparaître! Tu pars tout de suite! Chose. Écartez-vous et tout de suite! Comme par hasard, vous étiez dans les seuls les gardes sont sur les lois. Jetez un coup d'œil sur les derniers modèles dessinés par le plus génial des créateurs. Ouah. Assez, fils de chien. Tu ne sais plus ce que tu fais. On va l'avoir. T'inquiète pas. Et le voilà. Vite, arrêtez-le. J'en ai assez. Mais bien, j'en ai assez. Je vous sacrifie mon pied. Saisissez-le! Tana, donc, j'ai perdu sa trace! Ne soyez pas timide, approchez! Venez, ne soyez pas timide.
renoncer à la facilité et au bien matériel. La rédemption passe par les flammes. Après tout, si les hommes pouvaient saisir l'essence divine de mes créations, n'auraient-ils pas eux aussi le sentiment d'être plus... C'est alors que je me suis vu comme un altruiste, un porte-parole, un prédicateur, un guide pour tous ceux qui avaient perdu la foi. Oh, très malheureux. Je me fourvoyais. Le diable est mal, et ses manipulations sont odieuses. Je voyais mes œuvres comme des fenêtres sur le monde, mais en vérité, c'était des portes. Des portes par lesquelles son influence néfaste s'immisçait dans nos vies. Mon art n'apaisait nullement mes semblables. Il les empoisonnait, il les rendait avides, mesquins et cyniques. Quand ils étaient généreux, nobles et bienséants, je m'étais jeté. Mais aujourd'hui, j'ai une chance. Mais qu'ai-je fait? Mais qu'ai-je fait? Tu ne savais pas ce que tu faisais. Je suis seul responsable de mes actes. En doutant de moi, je l'ai laissé me contrôler. Je suis désolé. Pas autant que moi. Tout cela est bien triste. Mais je n'avais pas le choix. Requiescat in pace. Peuple de Florence, approchez! Rassemblez-vous! Écoutez ce que j'ai à vous dire. La fin du monde est proche! Plus que jamais, c'est le moment de vous repentir, d'implorer le pardon du Seigneur! Ne les voyez-vous pas? Les signes sont partout autour de nous. Révolte! Famine, maladie, corruption, ce sont autant de mauvais présages qui annoncent le règne des ténèbres. Plus que jamais, nos cœurs doivent être remplis de dévotion ou nous sommes promis à une mort certaine. Vous vous défiez de moi. Vous me prenez pour un fou. Ah, mais n'est-ce pas exactement ce que les Romains pensaient du Christ? Autrefois, je partageais tout. Je partageais toutes vos craintes. Puis un jour, Savonarola est venu à moi, le prophète m'a guidé sur le chemin de la vie. Quelqu'un m'ouvrait enfin les yeux, et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je voudrais vous aider à ouvrir. Vous devez comprendre, c'est un peu comme si nous aventurions au bord d'un précipice. D'un côté, il y a la lumière et la gloire du royaume de Dieu. Alors que de l'autre, il n'y a que le puits insondable du désespoir. Que comptez-vous faire?
Aurez-vous la force de marcher dans le sillon du Seigneur, ou bien plongerez-vous, tête baissée, dans la l'abîme des ténèbres? Votre équilibre est déjà précaire. Ah, c'est la marée des Vichy. Et toute cette dynastie que vous considériez jadis comme vos maîtres ne s'intéressait qu'au bien de ce monde. Ils ne cherchaient qu'à s'enrichir. Ils ont renié leur foi au profit des plaisirs terrestres. Et ils attendaient la même chose de vous. Notre sage prophète a dit... On va te saigner comme un tapis. Je ne veux pas être amené. Je vais m'en saisir. Je vous crois. Ne le perdez pas. Tu t'arrêtes là, pezzo di merda. Bravo, bravo. Je me rends. On va bien s'attacher. On va la voir. T'inquiète pas. Le voilà. Ma parole, tu penses tout ce que tu as dit? Nous n'avons pas tous été manipulés. J'avais déjà la foi. J'avais déjà mes convictions. Tout ce que j'ai dit est vrai. Rien n'est vrai. J'agirais autrement si je le pouvais. Le quiescat in pace. T'inquiète pas! On essaie une nouvelle fois, Florence! Vas-y, essaie! Les jeunes hommes de la ville! Je vais très bien! Charpie, Stronzo! À notre honorable délégation! Attention! Soyez patients! La seigneurie va bientôt terminer le chantier de construction du nouvel hôtel de ville qui sera érigé par Ron Harvey! Les personnes intéressées! Appartenant à la corporation florentine des charpentiers et tailleurs de pierre, doivent soumettre leur candidature au code falonnière. Occupez-le, profitez-en pour contourner. Occupez-le, profitez-en pour contourner. Par l'arrière. Allez! Il vous suffit d'attaquer au bon moment. Capito? Occupez-le! Occupez-en pour le contourner! Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Die! Die! Il faut faire ça. Prenez-le à revers, comme on vous l'a appris. Tout ce sang. Bruto. Allez. Ne tombez pas dans son piège. Profitez-en pour le contourner. Restez en position, comme on vous l'a. Danato, il va. Le voilà. Arrêtez-le. Allez, approchez. J'espère pour lui qu'il vient en paix. Lui, là ! Arrêtez-le ! Tu n'iras pas plus loin ! Je sais pas ! Il est là ! Vas-y ! On va l'avoir dans le carré. L'artiste est capable de faire. Nous informons à meurtrier. Au Saint-Vierge, protégez-le. Payant ! C'est à vous ! Il est très malin. Tu
tueur. Un tueur en liberté. Fuyez. Je dois partir. Fuyez, Pia. Pas ça, les gars. Tu te crois meilleur que nous? Cette fois, tu ne t'en tireras pas. Ah, j'aurai peut-être quelque chose pour vous la prochaine fois. La réputation de... Je me disais aussi... qui sera érigé près de Santa Maria Novella. Les personnes intéressées, appartenant à la corporation Florence... Bon, bravo. Je vous connais, monsieur. Il est fou, c'est sûr. Personne n'est autorisé à passer. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Tant que vous refuserez de vous soumettre à Savonarola, notre prophète, je ne laisserai personne franchir ce pont. Tous autant que vous êtes attendu quelque part, vous avez affaire, des obligations à remplir. Ah, vous n'avez qu'une seule obligation, vous soumettre. Pourquoi nous rejeter? Pourquoi nous résister? C'est la nôtre, les Medici, que vous respectiez tant, vous ont abandonné. Ils ont fui en exil pour mieux s'apitoyer sur leur sort. Savonarola veut seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Une cité débarrassée du vice et de la tentation. Un peuple uni dans la foi. Le Seigneur appelle tous les hommes égaux. Ne le laissez pas s'enfuir à Florence. Nous avons une chance d'écrire une nouvelle page de notre histoire, de tourner définitivement notre passé misérable, de renouer avec l'essentiel. Je suis venu vous aider. Sur le chemin de lendemain meilleur. Acceptez ce que nous avons à vous offrir. Vos problèmes ne se borneront pas à un pont inaccessible. Comprenez-moi bien, mon intention n'est pas de vous menacer. Je cherche seulement à vous ouvrir les yeux pour que la... Tu portes l'habit des nobles. Comment Savonarola t'a-t-il envoûté? La richesse et le pouvoir n'apportent aucune satisfaction. Je voulais toujours plus. Et en définitive, tu n'as plus rien. Nécessité fait loi, il faut savoir l'accepter. Requiescat in pace. Ils doivent pas s'enfuir! Ah. Descendre. Tous les marchands en faisant le commerce de l'énage avec l'étranger devront... Approchez, mes amis. Je vends tous mes articles à prix réduit. Vous ne ferez que des portes. Je vous le garantis. Alors, tu attends l'autorisation de ton chef. Le bonheur est venu. Cher client, mes prix sont tout simplement incroyables. Vous allez prendre... Toi, comment ce mot de... Allez, prévenir et rappelez-vous ce qu'on vous a appris. Capitaine.
J'ai récemment trouvé de nouveaux... Attaquez-le au bon moment. Toutes les économies que j'ai réalisées. C'est vous qui en bénéficiez. C'est pas vrai. Bien joué. À ceux qui trouveraient mes articles trop chers, je répondrai que la qualité a un prix. Je ne vends pas de la camelote, moi. Les étrangers, je les déteste. Tu sèmes le désordre. Vous vous croyez nous, toujours on est là pour maintenir l'ordre. Tu vois, tu es dans une position délicate, l'ami. Tu comptes t'en sortir? Cela ne concerne rien. On va mourir. C'est trop belle. Grâce à vous, nous avons retrouvé la fin. C'est de la folie! Ils ont tous perdu la miséricorde! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Là-bas, c'est lui. Je vous assure. Je vous viens. Hé, hey, il n'ira pas loin. S'il ne s'exécute pas, il devra payer une amende. Potens Deus Rex Regum, et omnium gubernator cuius...
Regarde, j'ai déjà vu ça. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos. Le voilà! Je sais pas.
où est-ce que je l'ai déjà rencontré? Le voilà! Ne le laissez pas s'enfuir! Honte à toi! Vous l'avez dit? Attendez! Restez où vous êtes! Pardon, signore. Il nous a échappé, bon sang! C'est trop dangereux. Il ne faut pas rester ici. Il n'est plus ici! Merde! Il n'y a personne! Et astucias ut nostruis armis munti semper servemur ab omnibus periculis. Ad glorificandum te, qui es unicus victoriae largi, et a unigeniti filii tui, Domini nostri Gesù Cristo. Descends, tu meurs. J'ai cru qu'il prêchait la parole du Seigneur. Ces sermons ne sont que des mensonges. J'ai laissé mon troupeau s'égarer. Je crois que... Je voulais tellement y croire. Comme nous tous. Je suis ici dans un seul but. Je veux accomplir l'œuvre de mon père. Requiescat in pace. Cherchez quelque chose. Une autre fois, peut-être. J'ai des... J'en suis toute prête. Bientôt, vous irez beaucoup mieux. Verdura fresca de giornata. Arrêtez-le. À l'aide. N'approchez pas. Per Dio. Là-bas,
Dio Beato. Comment oses-tu nous interrompre ? Florence est malade. C'est notre devoir de la guérir. Comment ? En forçant le peuple à embrasser la doctrine d'un fou ? Il est imprudent de défier ceux qui ont le pouvoir. C'est vrai, mais le pouvoir va changer de main. Non ! Tu ne me tueras pas ! Savonarole a aura vent de ta trahison ! Garde ! Garde ! Le voilà ! Vite ! Arrêtez-le ! Cher Clion, mépris sur vous tout simplement. Pourquoi le... J'ai un élixir fait à partir de vous. Savonarole m'avait pourtant prévenu, mais je ne m'attendais pas à tant de violence. Prends le temps de réfléchir, et tu verras que nous avons raison. Encore est-ce juste tourné la tête. Laisse-moi, je n'ai rien fait de mal. J'accomplis la volonté du prophète. Je suis une victime. Je n'y suis pour rien. Si, tu as fait un choix. Il m'a ensorcelé avec cette chose. Tu n'as pas voulu résister. J'agis ainsi pour le peuple. Requiescat in pace. Je le connais. La messe publique que devait célébrer le cardinal a été annulée en raison du déficit. Plus d'indulgence, je m'en vais de ce pas. Tiens, ça tient à toi, ça. Pardonnez-moi, si je vous ai importuné, j'attends votre réponse. Plus vite! Tu respires encore? Allez! C'est pas normal, ça! Tu as peur? Sang! Oh non! Je dois aller chercher Christ et Poc pour l'amour. Nous n'avons que ce que nous méritons. Thank you.
Ne soyez pas timide, je suis là pour vous soigner. Vos ordres sont un peu plus simples. Vous devez surveiller ces champs et faire en sorte que les bottes de foin demeurent intactes. Cette mission n'a rien de palpitant, je vous l'accorde. Mais aussi ingrate soit-elle, elle n'en est pas moins vitale. Si nous nous privons de cette ressource, nous leur ferons passer l'envie de résister. Ils n'auront d'autre choix que de se soumettre. Qu'est-ce que tu fais là? L'essence, il est là. Ils ont besoin de vêtements. Sert à nourrir les chevaux qui, à leur tour, tirent nos charrettes, lesquelles transportent nos marchandises vers d'autres cités où les ventes sont conclues. C'est de cette façon que notre économie prospère. Et je ne parle pas du bétail. Bovins, moutons, tous ont besoin de foin pour leur subsistance. Et, comme vous le savez, ils nous fournissent toutes sortes de produits indispensables. Même la viande, lait, pour vous donner quelques exemples. Voilà pourquoi notre foin ne doit pas tomber dans les mains de l'ennemi. Alors ne prenez surtout pas cette mission à la légère. Vous ne devez pas oublier que notre avenir à tous en dépend. Tu as laissé ton peuple mourir de faim. Pourquoi ? Je ne supportais plus leurs insultes. Je ne pouvais plus tolérer leur affront et leur arrogance. Je voulais gagner leur respect. En tout cas, tu n'as pas gagné le mien. La mort est parfois douloureuse. Mais le sommeil éternel est paisible. Requiesca in pace.
cache derrière cette capuche. Il n'est pas assez rapide. Il cache son identité. Ben, je connais cet homme. Soyez pas timide, je suis là pour vous. À ceux qui trouveraient mes articles trop chers. Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi ? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. On dirait un code de César inversé. Il suffit de remplacer ces lettres ici, et c'est terminé. Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio. Ce fut un plaisir. À très bientôt. Jetez un coup d'œil sur les derniers modèles. Une autre fois, peut-être. Ciao. Ce sera pour la prochaine fois. Mes chers amis. Approchez. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Mais des chefs-d'œuvre. Je vous en prie.
Bonjour. Quoi? Encore une de ces nouvelles bottes, je présume. Assassin! Reculez! Gardez un œil sur ces caisses. Leur contenu ne doit pas tomber en de mauvaises mains. Quelque chose me dit que ces fauteurs de troubles seront au moins les malins quand ils seront pris des pires. S'ils veulent manger, ils finiront par accepter que Savonarola soit leur guide. Je ne comprends pas par quel miracle les Medici ont encore de l'influence sur ces cité. Ah, il est vrai qu'autrefois je les considérais comme des prophètes. Mais depuis, le prophète peut me faire une chose. Alors j'ai vu le démon du profil et les déchirements qu'il m'a apportés. Savonarole nous fera entrer. Une ère de fraternité, d'égalité et de justice. Il nous suffit de briser nos chaînes et... Savonarola soit leur guide. Je ne comprends pas par quel miracle les Medici ont encore de l'influence sur cette cité. Il est vrai qu'autrefois je les considérais comme des prophètes. Mais depuis, le prophète m'a ouvert les yeux. Il suffit de briser nos chaînes. Savonarole soit leur guide. Je ne comprends pas par quel miracle les Medici ont encore de l'influence sur cette cité. Ah, il est vrai qu'autrefois je les considérais comme mes protecteurs. Mais depuis, le prophète m'a ouvert les yeux. Une minute, j'ai à vous parler. Savonarola nous fera entrer dans une nouvelle ère. Une ère de fraternité, d'égalité et de justice. Là-bas. Quelque chose me dit que ces fauteurs de troubles feront moins les malins quand ils seront privés de vivre. Veulent manger, ils finiront par accepter que Savonarola soit leur guide. Je ne
comprends pas par quel miracle les Medici ont encore de l'influence sur cette cité. J'ignore pourquoi ils font ça, mais il a sûrement une... Il est vrai qu'autrefois je les considérais comme des protecteurs. Mais depuis, le prophète m'a ouvert les yeux. Autrefois, je les considérais comme mes protecteurs. Mais depuis, le prophète m'a ouvert les yeux. Alors j'ai vu les démons du profit et les déchirements qu'ils provoquent. Considérer le Seigneur comme notre sauveur et notre seul guide. Les intrus, je les tue, par exemple. Quelque chose me dit que ces fondeurs de troubles feront moins les malins quand ils seront privés de vivre. Ils veulent manger. Mais qu'ai-je fait ? Tu as voulu imposer ta foi au peuple. Parfois, il faut dicter au peuple ce qu'il doit penser. Rien de bon n'est sorti de tout cela. Mon cœur est harcelé de doutes. Mais mon esprit reste lucide. Requiescat in pace. Guardate che tagli di manzo!
maintenant. Reculez. Arrêtez. Laisse-moi t'enseigner quelques rudiments de survie en milieu hostile. Tu as de l'esprit, ça ne fait aucun doute. Tu l'as bien cherché, toi. Grazie mille, ami. Viens me chercher. Ces morts, ça commence à devenir suspect. Tous ces étrangers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas sûr. Madre Santa. Il n'est pas avec ses paysans. Santa Maria, priez pour nous. Encore? Avec tous ces étrangers qui vont et qui viennent. Je ne suis pas sûr. C'est pas vrai! Une autre victime! Il faut que ça se passe. Vous êtes désargenté. C'est bien dommage. Salute.